Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no-life. Si vous voulez les réveiller, masse de pouces bleus, ok? Sinon, ils se réveilleront pas. Voilà. Donc, on vous attend patiemment. Ouais. Sans ça, on va pas commencer ce nouvel épisode avec Mario Delimar. Voilà, bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les couches tard. Alors, allez-y les gens. On vous attend. Bon, allez. Donc ces deux singes, on va les emmener là-dedans. Dans ce gros tuyau vert. Voilà, particulièrement design. Effectivement. Et nous Allez. voilà dans cet endroit un Dans, petit peu voyons voir. bizarre. Marais glissant de Bowser. Les marées enflammées. Bah, je sais pas, on dirait pas vraiment de la lave, ça, hein. Ou alors, ouais, du sable au pire. Je crois Ça. qu'on coule dedans. Ah oui, on coule, je crois, ouais. Mais on va pas vraiment faire l'expérience. Bah. Si, mais on Pas de ne le sait loin. pas encore. Voilà, c'est ça. Oh putain. J'ai failli la faire. Ah bah. On avait ramassé l'autre étoile secrète, donc on n'a pas besoin de perdre de temps là-dessus. Putain, qu'est-ce que c'était dangereux, ça. Waouh. Pouf! Je suis pas une taupe, moi. Et hop. Attention. Allez, hop. Oh. Putain, ça grippe jamais, hein. T'as des mains en mousse, quoi. Ah ouais. C'est pour ça qu'ils sont blancs. C'est pas des gants en fait. Bah ouais, c'est pas des gants. Là pour le coup, Lara Croft elle est Oh meilleure. putain. Bah largement. Hop. Bah, qu'est-ce qu'il fout dans le sable, l'autre Goomba? Il devrait être mort. Hop là! Peut-être qu'il l'est déjà. Ouais, mais qui était encore vivant, ma foi. Allez! Là, faut que je prenne des raccourcis. La vie, on la laisse tranquille. Ok. Oh! T'es pas Spider-Man, alors tu meurs. Wow! Ça aurait été Spider Cochon, ça aurait été plus drôle. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des pièces. Hop. Heureusement, j'étais en ligne droite. Wow. Je croyais qu'il Mais m'avait très touché. vite. Ah oui, il en tire trois chaque fois. J'ai cru que sur un des tirs, il m'avait touché. Donc musique, c'est une musique de Metroid en fait. Donc là, il y a des plantes piranhas, il faut les tuer. Elles sont dans les gros pots là, dans les Ah ouais. tuyaux. Et ça, c'était ce qu'on avait déjà fait, ça, donc C'est ce... autre chose à Oui, faire. c'est pour ça. Et il me semblait que tu avais ramassé la clé en plus, il me semble. Ouais. Et on avait ouvert la porte. Donc pourquoi ils nous l'ont fait faire, quoi? Ah, c'est peut-être. Ah, pff. Je crois que c'est parce qu'on n'avait pas sauvegardé en fait. Bon, celle-là, c'est facile. Eh ben. Maintenant, sans doute, ouais. Voilà. Voilà. Voilà.
Ok, Bob. Au moins. On aura moins galéré que... Waouh. Et voilà. Double clé, quoi. Tac. Toc, toc. Oula. Oui, c'est là qu'on met la clé, bien sûr. N'importe quoi. Ah, bah cette oui, musique. On était entré, là. Et... Ouais, ouais. Puis je me souviens de la musique, ouais. J'ai dit, c'est le thème d'Harmonie quand elle est dans son, dans son observatoire, le Super Mario Galaxy. Sympathique, d'ailleurs. C'est... Deuxième meilleure musique du jeu, en tout cas. Mais je crois qu'on n'avait pas eu le temps de commencer ici, ou à peine. Non, à peine, ouais. Puis j'avais découvert un truc, ce chandelier, là, enfin, ce lustre, on peut s'y agripper. Cependant, bah voilà. Il faut que j'attrape cette... Bah, si tu veux essayer, ouais. T'as fait au moins un double saut bizarre. J'ai fait un triple saut, même. Triple. Un triple saut, quoi. C'est comme le fail, mais en sautant. Ouais, allez. Mais remarque, ce serait drôle qu'il puisse... C'est pas si loin, hein, mais ouais. C'est pas assez. Mais il y avait un truc à faire sur ce lustre, ou c'est juste y a pour un la déco truc, oui. C'est vrai que ça aurait pu être juste pour la déco, mais non, il y a un truc. Waouh. Monte les chaînes. Mm-hmm. Et nous voici dans un monde secret. Alors, deux étoiles à ramasser ici. Ah, deux étoiles ici. En finissant la glissade en moins de 18 secondes. Putain, il y a peut-être un truc à cheater avec le fait qu'on soit deux. Peut-être. Ah, et collecter les pièces rouges. Il y a des vies tout plein. Alors attention, il y a des pièces rouges. Ouais. Ah, tiens. Et donc ça va peut-être glisser comme dans le niveau avec le pingouin géant alors. Peut-être. Mais on va bien fouiller pour trouver les pièces rouges, parce que c'est tout ce qui compte. Oh, il y en a deux là-bas. Il y en a deux là-bas. Ah ouais, une, deux, ouais. Donc, je vais déjà descendre pour essayer d'atteindre. Hop, on s'en fout du temps, pour l'instant. Je vais peut-être essayer de te laisser rejoindre, de me rejoindre. Ouais. Alors... Oh, la caméra. Tu sautes sur la gauche. Et hop là, wouh. Eh ben, oh, et donc va même falloir y atterrir dessus, carrément. Donc, je suppose qu'il faut utiliser l'arbre. Aïe. Oula, ouais, mais où ça? Aïe. Ah, on a du mal à voir. Ouais. Oh, c'est peut-être pas celui-là qu'il faut monter. Ah, oh. Ah, peut-être celui-là, ça ira mieux. Ouais. En plus, il y a une pente. Waouh. Et... Ah. J'ai l'impression d'être à toxique, je sais plus quoi, dans ce micro Blast 2. Sauf que à la place d'être orange, c'est rose ici. Ouais. Et la musique vient de Mario Kart DS. Ah, tiens. Ouais. Il y en avait une autre là-bas. Là-bas, ouais. Putain, c'est vraiment des déplacements, mais tordus, quoi. Ouais. Donc encore. Putain. Essaye d'abord. Ok. Bon, bah en fait, c'était simple. Je vais continuer. Et donc, quand même, cette période où on pouvait juste marcher tranquillement. Ah, allez. Alors ici, attention. Non, putain. Ah, droit dedans. Putain, mais ça vire à droite tout seul, quoi.
Ben. Faut rester calé vers la gauche, quoi. Ah, pas trop. Tiens, si commencer par là, en gros. Peut-être. Ouais, ben. Ouais, un truc en 2D. Ah, c'est embêtant qu'ils nous remettent ici. Ouais, c'est chiant ça par contre. Bah, j'ai touché les flammes. Peut-être passe par la porte. Pourtant, tu fais une belle décoration. Oh. Ah. Eh ben. Toujours les sauts de dingue. Ouais, on sent que Luigi est plus léger. Ouais. Faut dire qu'en même temps, rien que dans Super Smash Bros, Luigi saute plus haut que Mario. Wow. Alors cette fois. Non mais ah, non. Directement. Pourquoi il a fait sur son ventre ce gros con? Ouais, attends, doucement, doucement, tu te poses. Faut passer par le trou, il y a une pièce rouge. Allez, y a pas besoin de glisser ici. Si, là, va y avoir besoin de glisser, là. On fait un saut en longueur, mais je sais pas si ça passe. Ah ouais, y a une pièce là, ouais. Ouais, une pièce dans le trou. Tiens, s'il va passer à travers la flèche, est-ce que je vais me la prendre, cette merde-là? Je sais pas. Ah, oh, putain de... Oh, c'est du sable mouvant, ça. C'est du sable mouvant, enfin... Ok, là, je vais y aller tout seul pour l'instant. Ouais. Essayer d'en avoir au moins une d'étoile. Putain, la caméra, par contre. Et ben là, en moins de 20 secondes, c'est raté. En moins de 18 secondes, c'est raté. 18 secondes. Combien de centièmes? Ouais, s'ils nous ont fichu là. Ah, là, on devrait avoir l'étoile des pièces rouges, malheureusement. Donc, ma foi, on n'a pas le choix. Bon, on va reprendre pour les pièces rouges, du coup. Ouais. What? Non. J'en ai raté une. Oh putain. J'ai essayé de gérer la caméra. Allez, saute là-dedans, toi. T'as pas besoin de sauter, hein. Putain, puis la caméra qui veut pas se gérer. Non, tu te lèves. Wow. Oh. Oh, la dernière. Ouais. Après, il faudra réussir en 18 secondes, enfin moins de 18 secondes. Ok, ça c'était dangereux. Mais c'est passé. Je sais pas si le timer partirait avec moi. Ouais, je sais pas. Donc...
donc, est-ce que ce bordel partira avec moi, le timer? Voyons voir. Arrête d'aller à droite. Ça se voit bien que le champignon, je le mets en haut. Oh, il se lance. Ah putain, et puis la caméra, du coup, est tellement éloignée de moi. Waouh. Oh, what? Le boulet. Oh putain. Et si par contre, je passe à côté? Le chrono n'est pas parti. Oh la vache. Je vais juste... Putain, oh, bah, putain. Oh. Donc il faut que tu fasses démarrer le chrono et que tu ailles vite. Parce que comment est-ce qu'on peut réussir une mission moins 18 secondes si le chrono il démarre pas du coup? Il faut que tu partes et que je repasse la ligne d'arrivée quoi. De toute façon là vas-y, t'as pas le choix. Allez, à coup de... ça va vite. On va tout droit dans le trou. Oh, ça va, on s'en fout un peu de la flèche. Et vas-y, il fonce. Et... non, saute. Là-dedans, oh, là-dedans, là-dedans. Non, la ligne d'arrivée, tu l'as passé, il l'a pas compté, cet enculé. Oh bah... Oh, le bâtard. Ah... Ah bah, vous verrez ça au ralenti, mais il a clairement franchi la ligne d'arrivée. Voilà, t'as pas le choix. Rien d'autre à faire ici, de toute façon. Non, y'a rien d'autre. Oh la méga baisse, quoi. Ah, t'es obligé de le faire toi-même. Ou alors... Hop. Non, je vais essayer d'y arriver au bout sans crever. Ah. Oh putain! Bon bah, suicide direct obligatoire. Hein. Non, faut que t'essayes. Hein. Bah, mais j'ai quand même pas. Puis si tu passes la ligne d'arrivée, remonte rapidement, puis repasse la ligne d'arrivée, je sais pas moi. Wouah! Putain, ça va vite. Hein. Y'a pas de choix, il faut aller vite. Par le trou. Hop là! Allez, vas-y. Ah, je prends seul, c'est con. À chaque fois. Vas-y. Trop à droite. Oh merde, puis du coup j'appuie sur le bouton. Encore une fois. J'ai un panneau ici. Ouais, c'est le panneau qui me disait qu'il y avait des vies, puis les deux étoiles à ramasser, ma foi. Une qui contient une vie là-dedans. Non. Bon, encore une fois. Ah, mais je dois gérer le perso et la caméra en même temps. Non, tu fais ça droit. Ah. Putain. C'est ironiquement, on dirait qu'il gère mieux la direction, Luigi. C'est clair. Allez, vite. Ah bah alors, il est pas supposé glisser, là. Ah bah alors. Oh putain, mais elle est partie où? Ah mais où est-ce qu'elle est, mon étoile, là? Putain, elle est partie je sais pas où, là, l'étoile. Ça doit être en moins de 18 secondes, on l'a fait au-delà des 18 secondes. On va reprendre le tuyau, puis on va peut-être la voir. Ouais, le tuyau, j'espère. Vas-y. Putain, on voit une vie alors bien cachée. J'ai l'impression que pour cette étoile, on est un peu baisé. Ah ouais, où est-ce qu'elle pourrait être? Est-ce qu'il faut essayer de pouvoir revenir en arrière? Pas vraiment pouvoir. Oups là, bon bah. Et voilà. Let's go. On n'avait plus de vie. Bon, on a une étoile dans le cul, ma foi. Ben ouais, parce que... Elle était dans le mur, on aurait dit. On aurait dit qu'elle était dans le mur.
Ma foi, si on a une solution pour plus tard, on y reviendra dessus. Mais bon, là, il est enfin temps d'enchaîner avec autre chose. Il faut essayer de savoir où est-ce qu'elle était à l'origine. Mmh. Il y a une porte ouverte là-bas. Ok. Pour les égouts. Ah, ta gueule. Ah. Ouais. Oh, il y a un gros tuyau là-bas. Ce que fait ce bouton. On n'a jamais vu autant se balader dans les tuyaux. C'est clair. Ah, mais là, par contre, c'est pas des pots de fleurs, hein, jamais de la vie. Ah, tiens! Des leçons de saut. Ouais, depuis quand ça existe, ça? Effectivement, ils sautent très mal. C'est clair. C'est complètement bidon, leur dialogue. J'ai loupé mes leçons de saut, je suis coincé ici. Et comment t'es arrivé là, d'abord? Bah ouais, déjà. Ah, oh, merde. Ouais. Pour nous dire quelque chose, là, il veut qu'on le sorte d'ici. Jamais. Tu te démerdes. Voilà, nous, on s'en va. Ouais. Ça, c'est du tuyau aussi. Hein. Ah, monde 6. Oh, ça sent encore la phase aquatique. Là, je ne pourrais pas reconnaître la musique. Donc encore une fois, essayer de ramasser toutes les pièces. T'as traqué comme un malade. Ah. Wow. Ah bah elle tombe. Ah oui, bah évidemment que les pièces elles coulent, hein. C'est la vraie vie, ça, au moins. Ah. Il y en a une autre. Voilà. Oh, ça sent. Il va falloir plonger. Ah oui. Ah, une pièce. Oh bah. Hop, oui. Caméra. Pff, évidemment. Allez. Flèche. Oh, c'est profond comment leur truc. Corail donc. Quack quack. Hop, histoire de récupérer de la vie, ouais. Ouais. Allez. Bing. Boum.
4 et 5. Trente-huit pièces. Ça ressemble à une carte au trésor. Point de plusieurs couleurs et une croix. Donc la croix serait posée où se trouve le trésor. Il s'agit de reconnaître les lieux déjà. Déjà. Hop là. Magnifique enchaînement de pièces. Ah, pauvre dans l'eau. Ah bah oui, allez. Voilà. Alors, 46, 47, 47 pièces. Putain, il se fiche de moi, lui. Oula. Là où il y a les ombres. Ah, j'en ai eu qu'une. On a perdu beaucoup de pièces là. Bon, oh, bah dis donc. Non, il y en a plus. Ah, quand il y en a plus, il y en a qui ratent. Ouais. Tiens, c'est pour le canon qui était juste là. Voilà. Là, on avait déjà galéré avec ce canon en plus. Ouais, mais on va peut-être déjà aller dans l'eau plutôt. 9 et 17, 76. Oh non, 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 là, non, 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 on remonte là. Caméra, elle ferme sa gueule et elle vient avec nous. Voilà, bah, allez là! Ah, mais non! Oh, mais qu'il fait chier cette caméra de merde! Voilà! Hop, il y a bien du chemin là en plus. Ah ouais! Ah! Pièce rouge! Alors, je suis où là? Voilà. Au moins, heureusement, il y a les bulles. Ouvrons bien les yeux pour essayer de trouver les pièces rouges. La tornade va bien m'aspirer, je le sens. Ouais, alors reste à l'écart. Où est la pièce? Allez. Non. À l'opposé de la tornade. Faudra récupérer de la vie. Alors ces bulles là. C'est bon. Putain, mais s'il se passe rien. Pièce rouge. Est-ce que c'est juste un trou ou est-ce qu'on peut continuer par là? Ça a l'air d'être un trou dans le bateau. Donc peut-être qu'on peut y aller. Et je suis coincé, allez! Voilà. 5 points de vie, bubule. Ou pièce. La pièce.
5, 6... 7... Allez. 99. Ah. Bulle. Je vois une pièce rouge dans le corail. Ah ouais. J'ai pas de son, moi, je crois, quand je prends la bulle. Peut-être. Très bien. Voilà. On va essayer de terminer avec les pièces rouges. Je n'en vois pas par là. Non. Mais dans le trou du bateau, sans doute. Ah, peut-être, ouais. Ah putain, bougez vos culs là, les deux. Ouais, ah, en voilà une. Peut-être de l'autre côté du bateau. Ah, il est temps d'avoir une belle récompense parce que 5 points de vie, 4. Faut que j'essaye de sortir de là, mais. Ah, il n'y a pas d'autres pièces. Donc je sors du bateau. Ah. Allez, il n'y en a rien à voir. Ok, moi j'ai mon truc. Il nous manque deux pièces rouges. Ah, c'est des trous, ça. Ah, c'est des trous, tiens. Des trous gris. Allez, vas-y, Luigi, fonce. Non. Ah. Ah, ah. Ah. Ah, si ça se trouve, c'est le même trou, tu sais. Peut-être. Ah, putain, il est coincé. Allez. Ah, je crois que c'est ça. Ouais, c'est le même trou. Ah, allez. Bon, en attendant, je prends... Hop là, c'est bon. J'ai quand même un son, finalement. Ouais. Je crois que j'ai vu un truc là-haut. Ah. Un autre trou. Hop. Allez le remplir, voilà. Là. Ah. 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 Dans le bateau. Bah oui, tiens. Donc on y est. Putain. Ah. J'espère qu'il y a une sortie, hein. Il y en a une, hein. Ouais. Ah, bubule. Non, par là, de l'autre côté, il y en a plus. Allez. En plus, c'est moi qui en ai surtout besoin. Ouais. Non, 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 la tornade, je veux même pas savoir ce qui se passe. Voilà, 8. Voilà. Hop. J'arrive. Récupérer l'étoile dans le bateau. Hop. Je vais te suivre, tu verras rien. Ouais, bah ouais, là je vois ça. Vraiment rien du tout là. Ah. Eh ben. Ok, c'est super. Hop là. Allez, on va essayer de faire un petit truc et après on en terminera. Ok. Au moins, déjà, on a pu associer les pièces. Voilà. Il y a un corail rose, un corail vert ici, et orange. Donc l'étoile pourrait être par là, celle qui était sur la carte au trésor. Mmh. Donc, techniquement, ce serait enfoui. Ah! Sur un de ces trucs. J'ai trouvé quelque chose. Allez, pétasse de caméra! Je te vois même pas en plus. Ah, bordel! J'ai dit enterré, hein. Luigi s'est noyé entre-temps. Ouais, je te voyais même plus, là.
J'ai récupéré celle qui était, voilà, le X, là, tout à l'heure. Ouais. Bon, ben, c'est sur... Ceci était la fin d'une vidéo X. Voilà. Donc, ouais, on fait la fête dans ces jolis endroits. Parce qu'un jour, on pourra plus casser les murs, même. Bah, voilà, hein. Mais pour le savoir, il faudra attendre au moins le prochain épisode. Donc, voilà, une déception, c'est cette étoile qui nous a complètement glissé, là, l'étoile des 18 secondes, là, sur la descente. Ouais. Elle a complètement disparu, donc si quelqu'un a une solution... Donc, en attendant, je vous dis salut et à la prochaine. À plus. Ouais. Au dodo. Allez.